Vidéo qui sera ma pile à lire du Black November, c'est-à-dire le challenge que j'attends depuis un an. Chaque année, je fais ce challenge parce que je le trouve génial. C'est Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui l'organise à chaque fois et ça consiste à lire du thriller hein, tout le mois de novembre. C'est vrai que ça change pas trop de mes habitudes, mais là, je sais que tout le monde en lit, je sais que c'est dans des catégories chaque semaine, un nouveau thème, enfin, j'aime beaucoup, c'est super chouette comme challenge, on peut partager entre nous, enfin vraiment. J'aime beaucoup ça, donc je m'y prépare toujours mentalement avec beaucoup d'impatience. Je pense que l'avant-dernière vidéo sur la chaîne est également une pile à lire, c'est la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avoue que je n'aime pas trop mettre régulièrement des piles à lire, j'aime bien aussi proposer du contenu un petit peu plus constructif, je veux dire des points lecture, des avis lecture. Même si dans la dernière vidéo, il y avait pas mal de livres que je chroniquais, j'aime bien quand même espacer les piles à lire. Je trouve pas ça très intéressant de mettre trop de bookhauls, les deux piles à lire. J'aime bien qu'il y ait quand même pas mal de vidéos qui développent mes avis lecture, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Et donc, ça a été très difficile, même si j'ai lu pas mal de livres en fait, mais je vous en parlerai. Je vais essayer, je pense, de vlogger prochainement parce que c'est, je pense, la seule chose que j'arrive à trouver le temps de faire. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il y a une petite surprise qui risque de vous plaire. Je vais répondre aux catégories, donc je vais vous proposer 3 livres, parfois un rien plus, par catégorie, comme ça, moi j'ai un petit peu le choix. J'aime bien quand même avoir le choix parce que j'aime pas me trouver quand même bloquée avec une seule lecture. Le fait de vous présenter 3 livres par catégorie, ça vous permet aussi de vous trouver des idées si vous ne savez pas quoi lire. Telle catégorie. Chaque semaine, nous avons un thème différent et comme cette année, il n'y a que 4 semaines en novembre, en tout cas 4 semaines, enfin bref, on se comprend, hein. D'habitude, il y a toujours quelques jours en plus et donc il y a moyen de faire 5 thèmes, mais cette fois-ci, il y a 4 semaines. Et donc Séverine a proposé une thématique qui englobe tout le mois de novembre et cette thématique, c'est de lire, c'est pas vraiment une thématique, enfin, c'est vraiment un objectif, de lire des livres qui ne comportent qu'un seul mot et donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Pour les livres qui ne comportent qu'un seul mot, j'ai choisi Cannibale de Daniel Thierry que je n'ai toujours pas lu, que j'ai ici en épreuve non corrigée. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est retrouvée sur le bord de la route. Elle a participé à une soirée avec des amis, une soirée sans smartphone, enfin vous voyez un petit peu déconnectée et donc pendant la nuit elle est retrouvée sur le bord de la route complètement désorientée, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. On va découvrir ça, je ne l'ai pas lu donc on va découvrir ça. C'est sorti au mois d'octobre, début octobre, donc j'ai très très envie de le lire. Je vais profiter de ce mois-ci pour lire Viande de Noël Michel. Alors c'est un livre dont j'ai entendu parler sur Sous couverture, qui est une émission littéraire belge proposée notamment par Michel Dufresne, Thierry Belfroy, qui est encore Gorian Débatture. Et bon, voilà, il change de chroniqueuse assez régulièrement, du coup je ne sais plus qui c'est en ce moment. Mais Michel Dufresne avait présenté Viande, je sais même plus si c'était lui, enfin bref, quelqu'un avait présenté Viande, qui était je pense un premier roman de Noël Michel, là c'est publié chez Lilis Édition. C'est un livre qui vraiment dénonce la consommation de viande actuelle, le spécisme, c'est quelque chose, je me dis, dans un thriller, je trouve ça assez original et j'avais très très envie de le découvrir. Et en étant végane, enfin forcément ça m'intéresse un peu plus. Il y aura certainement des détails bien sanglants, hein, mais on aime toujours ça dans les thrillers. D'ailleurs, la couverture c'est un abattoir, hein. Donc on va se régaler, je sens. Et le troisième livre que j'ai mis avec un seul mot, il s'agit de continuer en fait un livre que j'ai commencé, puisque j'ai commencé Betty, que j'ai mis de côté, je ne sais plus pourquoi, c'est de Tiffany McDaniel. J'ai adoré le début, je trouve ça vraiment superbement écrit, je ne sais plus pourquoi je l'ai abandonné. Je sais pourquoi, c'est parce qu'il est très lourd, je vous en ai parlé dans un vlog. Je voyage beaucoup pour mon travail, enfin, comme beaucoup de gens, je pense, en transport en commun, et je le trouve vraiment trop trop lourd, et comme j'ai déjà beaucoup de choses à porter, c'est pénible, enfin vraiment du coup je prends avec moi des livres plus légers ou wow, carrément des poches en fait pour que ce soit vraiment plus léger. Du coup celui-là vraiment j'en pouvais plus donc je l'ai laissé à la maison et du coup je l'ai pas forcément continué donc je me dis que c'est l'occasion.
Donc voilà pour les trois livres qui ne comportent qu'un seul mot. Pour la première semaine du mois de novembre, il faut lire, alors je vais vite regarder, oui, un auteur qu'on n'a jamais lu, alors là ça va pas forcément vous aider puisqu'on a tous des expériences de lecture différentes, donc je vous dis vite fait. J'ai très envie de lire L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, je le mets là parce que c'est mon compagnon qui est en train de le lire et il est parti avec, donc je peux pas vous le montrer. Je pense que c'est un livre qui se passe dans une petite île écossaise. Je suis à l'air bien sympathique, je ne sais pas trop. Mon compagnon m'a dit « Oh, tu vas pas aimer, il y a des tortures d'animaux. » Sinon, là, récemment, j'ai reçu de mon frère, en fait, pour mon anniversaire, un livre qui s'appelle « Bonne nuit, maman » de Seo Mi-hai. Désolée hein, pour la prononciation, je ne suis pas très douée. Ils disent que c'est le Seigneur des Anneaux coréen. Hein. C'est sans doute également le Stephen King coréen, hein, comme tous les romans où on met une bonne pub là. Voilà. En fait, on n'en sait pas trop. On sait juste qu'il y a un serial killer à Séoul, un air obsédant des Beatles, Bang Bang. Et en fait, il n'y a pas vraiment de résumé. Ils disent juste qu'il y a une série en cours par les producteurs de Downton Abbey. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais il me semble que j'avais lu un résumé quelque part. Sinon, j'aurais jamais eu envie de le lire. Et sinon, j'ai envie de continuer un livre. J'en profite pour continuer des livres que j'ai commencé. Puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque, j'ai envie de continuer L'ombre de la baleine de Camilla Greb, qui est une autrice que je n'ai jamais lue. Et en fait, j'ai adoré le début de ce livre. Et donc, ça nous parle... en fait, je peux pas trop résumer, puisque je pense qu'il s'agit d'un tome 3. En tout cas, c'est pas le premier tome d'une petite saga policière. Et donc, si je vous résume, je vous spoil ce qui se passe dans les tomes précédents. Donc, c'est un petit peu triste. Donc, en tout cas, j'ai lu le début, le premier chapitre. Il dépote tellement que je me suis dit, ok, il faut que j'aie le format papier. Donc, je l'ai emprunté en bibliothèque. Ensuite, il faut lire la deuxième semaine, donc du 9 au 15 novembre, une couverture, donc un livre dont la couverture évoque la forêt. Et là, ce sont des livres que j'ai mis expressément dans cette catégorie. Je me suis un petit peu forcée à attendre hein, pour les lire. Et sachant que je serai encore en vacances cette semaine-là, en tout cas la moitié de la semaine, eh bien, je pense que je pourrais même en lire plusieurs. Alors, il y a Les Marécages de Joe Landale, je ne sais pas comment on le dit. C'est un petit roman, vous voyez, il y a vraiment une forêt dessus, donc c'est super chouette. Ça se passe au Texas dans les années 30. Harry Collins et sa petite sœur découvrent un cadavre de jeune fille noire décédée. C'est un cadavre, Isabelle, donc il peut pas être très vivant. Juste après, elle découvre le cadavre d'une jeune fille blanche. J'imagine que la raison pour laquelle on insiste sur la couleur de peau des personnes retrouvées décédées, c'est que ça va être important pour la suite, et donc ça m'intéresse beaucoup. Franchement, je crois que c'est Séverine, d'office. C'est d'office Séverine qui en a parlé. Voilà. Toujours avec de la forêt, j'ai Les Monstres de Maud Maïras que j'ai acheté quelques jours après sa sortie. Et donc Les Monstres, je pense que ça va nous parler de séquestration d'enfants, je pense des enfants qui sont séquestrés et je pense que leur kidnappeur va un jour laisser ouverte la porte de là où ils sont séquestrés. Et le dernier, alors c'est un livre que j'ai commencé, pareil, il y a peut-être 2 ans, je n'ai toujours pas lu, c'est honteux. Mon compagnon l'a même lu avant moi. C'est My Absolute Darling de Gabrielle Talente. Je pense qu'on est un petit peu dans une nature writing, on est vraiment dans quelque chose d'assez sombre, l'histoire de Turtle qui a 14 ans. Elle a grandi sous la coupe d'un père abusif. Et j'en ai entendu tellement parler, j'ai un petit peu peur, mais en même temps c'est Gallmeister et je pense ne jamais avoir eu de déception chez Gallmeister, donc ça promet quand même des belles choses. La troisième semaine du 16 au 22 novembre, là je vais reprendre le boulot mais de force, hein. Thématique autour de l'enfant, donc ici j'ai 3 livres. Alors le premier c'est Charlie de Stephen King, je voulais mettre un Stephen King dans ce Black November. Cimetière convient également, je pourrais lire, je voulais lire Dead Zone, enfin voilà. Récemment j'ai écouté pas mal de podcasts hyper intéressants sur Stephen King. C'est Gorian Delpature qui est un chroniqueur belge, un journaliste très très intéressant qui a fait tout un podcast sur Stephen King qui est passionnant. Il y a plus de 40 épisodes sur chaque roman, sur chaque histoire de Stephen King. On en apprend plus sur sa vie, c'est tout simplement passionnant. J'ai également regardé le documentaire sur Arte qui est je pense disponible sur YouTube, qui est vraiment aussi intéressant, mais je trouve que vraiment le podcast est encore plus... Ouais, je le trouve encore mieux, même si c'est un autre format. Et donc, j'ai très envie de lire Charlie, qui nous raconte l'histoire de la petite Charlie qui a le pouvoir de mettre le feu aux choses. Et donc, elle a 7 ans et elle a ce pouvoir. Elle va lutter contre ce pouvoir. J'imagine que c'est un petit peu métaphorique aussi. Un autre, c'est Glory de Elizabeth Wetmore. Alors là, c'est Amélie, de la chaîne Amélie. qui en avait parlé et elle m'a tellement intriguée avec ce livre, elle m'a tellement tentée. On est dans les années 70, on est au Texas de nouveau, on est beaucoup au Texas hein, dans cette vidéo. Une jeune fille de 14 ans qui va venir sonner chez Mary Rose et qui va, j'imagine, expliquer ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle a été violée ou enfin bref, elle a subi des trucs.
Et comme on est dans une petite ville, ça va commencer à parler et à se répandre. J'ai un très très bon feeling avec ce livre, je pense qu'il va me plaire. Et le dernier, c'est Batman. Et là, j'ai un petit peu peur. Hein. C'est Sev qui en avait parlé, mais il y en a tellement qui l'ont adoré ce livre. C'est de Dathan Auerbach. Il a l'air passionnant ce livre. Ça nous parle d'une disparition d'enfant, mais visiblement, c'est pas ce qui est le plus important dans le livre. On va suivre surtout l'histoire du grand frère d'un enfant disparu qui a vu sa famille sombrer dans la dépression après la disparition du petit frère. Il s'est jamais remis du drame et j'imagine qu'on va suivre son quotidien et ça a l'air psychologiquement très intéressant. J'aime beaucoup les livres où il y a des drames. Je parle vraiment en livre, hein, je vous rassure, je suis pas psychopathe. Peut-être un peu, mais pas dans la vraie vie, je vous rassure. Ensuite, la dernière semaine, il faut lire du polar historique. Et là, j'ai 4 livres et là, je suis un peu choquée parce que j'en avais rien du tout et là, j'en ai 4. Mais bon, vous allez voir, j'ai un peu triché parce que je... Avec une copine sur Instagram, on s'était dit, bon bah s'il y a une date dans le résumé, une date qui précède la date actuelle, c'est que c'est historique, même si c'est des histoires qui sont fausses, même si c'est une dystopie, même si c'est que sais-je, n'importe quoi. Alors j'ai mis Le mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf, qui est un roman qui nous parle du triptyque de Jérôme Bosch, le jardin des délices, et on va découvrir des symboles cachés dans cette peinture, mais c'est intéressant, je lis jamais de livres... policiers autour de l'art, pourtant c'est quand même mon métier l'art, hein, mais bon voilà, je ne lis jamais de policiers autour de l'art et ça m'intéresse beaucoup. Et je crois que je vais imprimer le triptyque, même si je suis une imprimante noir et blanc, mais je pense que ce sera mieux que rien. Donc voilà, le deuxième, L'aliéniste de Caleb Carr, je pense pas que ça s'est vraiment passé. Hein, ça se passe dans les années 1896 à New York. Un meurtrier dont les meurtres ressemblent très fort à ceux de Jack l'Éventreur. Il y a une série qui est sortie que j'ai bien aimée. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance de ces séries un peu gothiques comme ça. Ouh, j'aime bien quand il y a des meurtres glauques. On va, bah oui, trouver des cadavres et on va suivre Laszlo qui est aliéniste et donc il est spécialiste des maladies mentales et il va essayer d'élucider ces histoires de meurtres. Je me souviens plus la révélation dans la série. D'ailleurs, je pense qu'il y a la saison 2 qui est sortie sur Netflix, donc je pense que je vais regarder. Trop hâte. L'avant-dernier livre, et pour le coup ce n'est pas vraiment un polar, donc je triche encore une fois comme d'habitude, c'est un livre de Jesse Burton, c'est miniaturiste. On m'a dit que c'était un livre historique, en tout cas c'est marqué sur Livre Addict comme tel. Ça se passe dans les années 1686, on va suivre Nella qui a 18 ans. Notre amie va rejoindre son mari à Amsterdam. Et son mari va offrir en guise de cadeau de mariage une maison de poupée, il me semble, hein. C'est ça. Et j'ai pas lu la suite du résumé parce que maison de poupée, moi je trouve ça hyper glauque. Et en fait pourquoi je l'ai mis dedans, parce que dernièrement j'ai lu un Jesse Burton qui a été un immense coup de cœur, qui est mon plus gros coup de cœur depuis très longtemps. Et celui-là c'est vraiment celui qui a le plus de succès de l'autrice, donc je suis très très contente de l'avoir. Je pense que je l'avais un jour chopé en seconde main. Enfin vraiment il me tente énormément. Et alors le dernier, il s'agit Ils viennent de tous tomber par terre, c'est pas grave. Il s'agit du dernier livre, Le chant de nos filles de Dev Spera. C'est un livre dont j'ai entendu parler également sur pas mal de groupes. Enfin voilà, il m'a donné pas mal envie. Ça se passe dans les années 1924 en Caroline du Sud. On va suivre trois personnages, le destin de trois personnages. Et je pense que le thème, c'est vraiment autour de l'esclavage. Je ne sais pas trop qui, quoi, quand. Mais je pense que ça va être un roman plutôt choral. Ça m'intéresse beaucoup, des destins de femmes, des témoignages de femmes, ça m'intéresse énormément. Il m'avait tellement tenté ce livre qu'en fait, lors d'une absence, j'ai acheté deux fois le livre. Donc c'est-à-dire que je l'avais acheté, j'avais un peu oublié, et puis je devais être très fatiguée ou vraiment débile, hein, je ne sais pas. Et donc je me retrouve en magasin, je le rachète en fait, je savais pas que je l'avais déjà acheté. Et donc, bah du coup, je me dis, puisque je l'ai deux fois, j'ai plus le ticket de caisse, ça fait longtemps. Je vais vous offrir le deuxième, comme ça on pourra peut-être même faire une lecture commune. Donc je vous propose de remplir un Google Form. Voilà, je vous mets ça en barre d'informations pour participer au concours. C'est un petit concours parce que on a atteint les 5000 sur la chaîne, hein, vous le savez. Et on est plus de 2500, 600, je sais plus trop, sur Instagram. Donc c'est vraiment chouette, ça fait vraiment plaisir. Je vous ai remercié, mais je vous ai pas encore... Enfin, je n'ai pas encore fait de concours. Donc je vais faire de temps en temps des concours. Il y en a déjà un là qui est en cours. Des concours sur Instagram vont vous sortir là de temps en temps. Plic-ploc par-ci, par-là. Et du coup, sur YouTube, il y aura de temps en temps des concours comme ça, avec un livre ou deux. Pour éviter de faire un seul concours avec plein de livres, parce que je trouve ça un peu triste. Oui c'est vrai, c'est bien, on est content, on reçoit plein de livres, mais je préfère remercier plein de personnes plutôt que remercier une personne énormément. Je vous propose de participer si ça vous intéresse.
En tout cas, voilà pour le dernier livre du Black November. En ce moment, au niveau des lectures en cours, je suis en train de lire La Fortune des Rougons de Zola. Je suis à la page 50, un truc comme ça. J'avance très lentement, mais j'aime beaucoup. Je retrouve vraiment ce que j'ai adoré dans Germinal, ce que j'ai adoré dans Thérèse Raquin, qui était le dernier que j'avais lu. J'aime énormément son écriture. J'aime beaucoup ses descriptions qui sont jamais inintéressante en fait, c'est vraiment toujours intéressant, c'est bien formulé, j'ai souligné des phrases que je trouve magnifiques, enfin j'adore, franchement j'adore. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Les prochaines vidéos je vais essayer de filmer, je vais rien promettre parce que franchement c'est un peu compliqué en ce moment, mais j'ai envie de faire un tag, je n'aime pas trop faire des tags, mais celui-là j'ai envie de le faire. J'ai aussi un vlog que j'ai envie de commencer, donc ce sera l'occasion, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis bon challenge à tous ceux qui participent. Ciao !